Salut à tous, c'est Idrey. On se retrouve pour la vidéo Team Building contre Emule Boy. Donc, très blabla, commençons tout de suite. Alors là, ce n'est pas une team que j'ai anticipée, loin de là. Ce sont des Pokémon. Entre autres, il y en a d'autres, je crois que je pourrais faire une liste d'une dizaine de Pokémon. Je pense qu'ils me posent vraiment problème. Mais voilà, eux c'est vraiment les plus notables que je vais garder, tout simplement. Donc alors, Demeter Rose, Mouchoir Choix, le set incontournable, tellement violent. Alors je pense qu'il va le mettre avec Sabotage, parce que j'ai Scorvol. Il pourrait très bien aussi mettre une puissance cachée Glace pour Scorvol, mais je ne pense pas qu'il va le faire. Il peut aussi mettre surpuissance pour l'euphorie par exemple. Ça peut vraiment changer le cours du match au final. Mega Latias, alors là, mais j'ai rien d'autre à dire. Il est tellement chiant. Parce que regardez ses stats, regardez juste ses stats. Alors 80 en PV c'est excellent. 100 en attaque c'est très bien aussi, donc il peut le jouer physique. D'ailleurs il l'a fait une fois, mais bon, il s'est fait démonter parce qu'il s'est pris... une attaque d'un méga garde-voir, donc voilà. La défense 120. Quoi? L'attaque spéciale 140, c'est très violent. La défense spéciale 150. Quoi? Mais là, c'est encore plus pété. Et la vitesse 110. Alors là, c'est le Pokémon, il est genre totalement équilibré. Il tape fort sur les deux plans. Il est très bien défensivement sur les deux plans, avec des bons PV et une bonne vitesse. Non, mais il peut le jouer quasiment n'importe comment. En plus, il apprend plein d'attaques. Du genre laser glace, écosphère, atterrissage, etc. D'ailleurs, il va peut-être pas jouer atterrissage. Mais peut-être plutôt... Enfin, s'il le joue, en tout cas, il pourrait peut-être le jouer avec recover. Voilà. Ou alors avec écosphère ou écosphère sur Ice Beam, je ne sais pas. Donc, on va pas s'étaler non plus sur lui. Star Rose, parce que, voilà, avec potentiellement les restes, Natural Cure, enfin... Voilà, ça c'est le set Reflect Type, le set défensif assez commun. Alors les investissements en vitesse, j'ai mis au pif, voilà, parce que voilà, on s'en fiche. Mais en général, c'est investissement en vitesse, le reste en défense spéciale et il est investi en PV. Voilà, en général, c'est ça. Et voilà, ce set me fait chier en fait parce que Absol, il est pas sûr de le tuer avec Kuba parce que lui, il a d'autres attaques. Et puis surtout Reflect Type. Mais aussi, c'est surtout que, comment dire, avec Rapid Spin, il peut enlever mes pièges de rock qui seront vraiment très importants pour virer son putain de Farfuret qui fait chier. Ensuite, Blind Epic, parce que Blind Epic, je sais pas trop, mais regardez ses stats, 88 en PV, c'est très bien. 107 en attaque, c'est très bien aussi. 122 en défense, c'est excellent pour un Pokémon défensif. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a pas ces investissements? Je ne sais pas. Et ensuite, 75 en défense spéciale, c'est pas trop mal, mais c'est pas totalement cheaté. Enfin bref. Même défensif SP, j'ai du mal à le gérer. Mais défensif physique, alors là, les attaques physiques, ils ne lui font absolument rien. J'ai obligé de lui faire des attaques spéciales, là, à la limite, pour pouvoir le passer. Il a peut-être un type de merde, mais avec son équilibrage de stats, avec Drain Punch et tout, il est vraiment pénible. En plus, il peut avoir les picots. Alors, voilà. Autant dire que s'il le prend avec les picots, il me met vraiment dans la grosse, grosse merde. Vous verrez ça juste après. Ensuite, Farfuret. Alors, je suis pas sûr qu'il joue poursuite, mais s'il joue poursuite... C'était en anticipant Victini. J'ai failli prendre Victini parce que Victini, j'en avais besoin. Enfin, c'était quasiment sûr que j'en avais besoin pour faire très mal à sa team. Mais le problème, c'est que bah, Victini, il est type psy aussi, donc faible au type ténèbres. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'il prenne pas Farfuret en voyant Victini dans ma team. En plus de voir Scorvol. Parce que voilà, avec Icicle Crash, Scorvol il se fait OHKO, donc voilà, violence. Voilà, tout simplement. Il a Knock Off qui fait vraiment mal à plein de monde. Il a Ice Shard, il a Icicle Crash et il a Poursuite. Poursuite qui est aussi un move très dangereux pour moi. Alors, il est assez rapide aussi. 115 de base vitesse, ça lui permet par exemple
De faire un speed tie avec Mega Absol. Lui, alors Rhino Féroce, là, avec son Evolu Rock, ça lui donne beaucoup trop de bulk. C'est genre le Vénard 2.0 avec plus de défense. c'est totalement pété. Voilà, il a une énorme défense physique. Donc pas besoin de l'investir. Une mauvaise défense spéciale, mais quand il est investi, c'est vraiment plus que correct. En plus, il a des bons PV aussi. Un 105 de base en PV, c'est énorme. Sans oublier les 130 de base en attaque. Et juste, c'est avec ses 130 de base en attaque qu'il est venu dans les Pokémon les plus dangereux pour mon équipe. C'est un Pokémon que j'ai déjà pris la semaine passée, que j'ai choisi. En fait, la team est assez semblable à celle que j'ai eue la semaine passée, parce que voilà, en fait, il y a deux Pokémon qui ont changé, tout simplement. On reprend Mega Absol, voilà. Vous lui mettez Justified, hein, parce que comme ça, sur un sabotage, par exemple, on peut monter notre attaque en venant sur le terrain, ce qui est cool. Alors, déjà, la nature, il va être de nature naïf, avec 216 en vitesse. Ça, c'est une répartition pour outspeed à coup sûr un Mega Latias. Mega Latias timide, là, je l'outspeed à coup sûr. Et un Mega Latias timide, justement, je lui enlève plus de la moitié de sa vie avec sabotage. Et au pire des cas, je fais coup bas, ce qui lui enlève, je crois, plus de 60%. S'il est affaibli, ça m'arrange pas mal. S'il est défensif, par contre, là, je crois que je mets entre 30 et quelques et 40%. 40 et quelques pourcents. Ce qui est pas beaucoup. Kuba, je crois que ça lui met maximum un peu au-dessus de 50%, ce qui est bof aussi. Donc, voilà. Il s'appelle Death Angel, encore une fois. N'est-ce pas? Donc, le Death Angel... Tout simplement. Et alors, c'est un seul mix, le truc, voilà. Alors, l'attaque spéciale, j'ai mis 100. L'attaque, j'ai mis 192 pour maximiser. Et donc, voilà, il est pas maxé en attaque. J'ai investi un peu en attaque spéciale. Parce qu'il a des météoros et des météoros défensifs et assez chiant. Enfin, vous voyez le genre, quoi. Et donc, ce serait cool de pouvoir l'outspeed. Enfin, l'outspeed, ça je le fais s'il est défensif. Mais je veux dire, je l'outspeed pas s'il est offensif. Mais ce serait cool de pouvoir le tuer avec un cher laser glace. Vraiment cool. Enfin bon, laser glace quoi, contre des météoros, c'est toujours très efficace. Death Angel avec les attaques suivantes, c'est-à-dire déjà l'attaque la plus évidente, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'était Sucker Punch et Knock Off. Ensuite, j'avais dit pour Ice Beam aussi, mais voilà, donc Ice Beam. Et en dernier, alors là, je savais pas trop quoi choisir, tout simplement. J'hésitais à prendre surpuissance et tout, mais je me suis dit non, je vais pas prendre surpuissance, je vais prendre plutôt un truc qui va pas baisser mes stats, parce que oui, je surpuissance, mon attaque baisse, donc ensuite je suis pas sûr de tuer mon adversaire contre un type acier par exemple. Donc j'ai décidé là que j'allais tout simplement mettre Fire Blast, parce que voilà, déflagration, ça fait mal. Une déface physical sweeper, sauf que moi en fait c'est un super spé, donc voilà. Et vu qu'il est plus pour contrer les Pokémon spé, je vais plutôt le mettre moins en défense, voilà. Merci Showdown. Donc voilà, c'était Death Angel. Ensuite, le deuxième Pokémon que j'ai décidé de choisir, eh bien c'est toujours le même que la semaine passée. C'est toujours Arcanine. Ce cher Arcanine du nom de Fukano,
Fukano, enfin bon, voilà, c'est pareil, Fukano ça fait plus classe, je trouve, que Fukano, parce que Fukano ça rappelle plutôt Fuk, enfin voilà. Alors, avec les leftovers cette fois, oui, pas de choice bun. Et alors, là, c'est toujours un dilemme, je suis toujours pas sûr. Alors, je vérifie, on met Intimidate parce que ça permet de mieux gérer ben, Farfuret, parce que lui, c'est mon seul Pokémon qui peut venir sur Farfuret. Ah oui. Et Farfuret, en fait, c'est un Pokémon tellement violent que j'ai aucun Pokémon qui veut venir tranquille dessus. Et lui, encore, il prend 40% maximum sur sabotage. Ce qui est pas rien du tout. Voilà. Je le jouerai avec Bout de Feu. Faut pas que j'écrive en français. Mais c'est Flare Blitz. Donc, après, Extreme Speed, oui. Parce que ça tout HKO, entre autres, le Farfuret. Mais ça fait mal à plein de monde. Crunch, parce que, voilà, Latias, il aime pas ça. Et plusieurs autres Pokémon aussi. Et enfin, là j'ai mis Aurore. Voilà, Crunch c'est ma chouille. Là j'ai mis Aurore qui est un move de soin qui est sur Arcanine. Enfin bon. Et je redescends juste à 248, voilà, pour pas prendre trop sur les pièges de rock. Alors, avec Aurore plus les restes et Intimidation, je peux faire croire que c'est un défensif. Mais pourtant, il est bel et bien offensif. Offensif bulky, mais j'avais vraiment besoin de l'investir comme ça, autant que ça, dans ses PV et un peu en défense, pour pouvoir bien tenir Farfuret, parce que sinon je pouvais pas, tout simplement. Donc voilà, et j'hésitais à jouer défensif aussi, mais bon, au final, il était bien meilleur offensivement. Et puis j'avais besoin de faire Beats, Extreme Speed et Crunch, donc voilà. Ensuite, j'avais décidé de prendre encore un Pokémon. En fait, maintenant que j'y pense, ça fait le troisième match à la suite que je le prends. Donc, depuis le début, je l'ai pris à chaque match. Et ben, c'est Tritosaur. Parce que j'adore ce Pokémon. Il est tellement bon. Mais genre, tellement bon. Je l'adore. Et donc, celui-là. Alors, il ne s'appelle pas Chipolata. Parce que je vais le jouer défensif. Mais il s'appelle Pan. Non, pas écrit comme ça, voilà. Pan. Référence à... Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça dans la mythologie. Mais en tout cas, dans le bouquin... Enfin, dans la saga L'Épouvanteur. On va pas dire bouquin, c'est un peu trop vulgaire. Enfin, dans la saga L'Épouvanteur, que j'adore d'ailleurs. Il parle à un moment du dieu cornu Pan. Et lui, il a des cornes, donc je l'appelle Pan. Voilà. Tout simplement. Alors, l'item, ben, c'est les restes, évidemment, hein, défensif. J'aurais pu lui mettre Ventouse, mais je préfère encore lui mettre Lavabo. Pour Staros, justement, pour gérer Staros. Parce que lui, c'est un contre à Staros. Alors, je lui mets Ébullition. Je vais lui mettre Telluri Force. Et je vais lui mettre Laser Glass. En sachant que je ne tiens pas hyper bien des Météros. Et dernier move, évidemment, pour un défensif, c'est Recover. Voilà, c'est donc soin, tout simplement. Il me dit défensif physique, mais non. Alors moi, c'est pas un défensif physique, et puis je l'investis comme ça pour prendre moins cher. Alors, est-ce que j'ai mis une nature ici? Oui, j'ai mis une nature, c'est bon. Non, pas un nouveau Pokémon tout de suite. Voilà, donc... Alors lui, ses investissements... Déjà, alors, il a 204 ici. Pourquoi 204? Eh bien, c'est en fonction des autres répartitions. 52 ici, pour pouvoir mieux tenir, notamment des Météros défensifs, qui me met, je crois, 53% maximum. Ce qui fait que, du coup, je peux le wall. Enfin, 53%, sauf s'il y a un crit. Enfin, ça m'aide à tenir les coups physiques et notamment à prendre les chocs psy de Latias, parce que oui, c'est aussi un contre à Latias. Et sauf si Latias a Écosphère, bien sûr, ou si Staros a la puissance cachée plante. Mais bon, voilà, ça permet de mieux tenir les chocs psy. Donc voilà, c'est pas mal. Et en dernier, 4 ici du Tempête Vert. Donc voilà, et j'ai parlé d'attaque électrique, donc on a bien deviné que c'était lui. Mais sauf que là je joue défensif. Voilà. Et celui-là, comment je l'appelle? Tiens, comment je l'appelle?
Vas-y. Alors, un nom. Allez, ça va me venir en tête, un truc. Du genre. Ah, je sais. Voilà, c'est le truc génial. Alors, pour ceux qui connaissent la référence électrogras, de. Je sais pas si ça existe en vrai, ces machins-là, mais en tout cas, c'est un machin électrique pour faire fondre la graisse dans le dessin animé Le Monde Incroyable de Gumball. Sauf que là, c'est pas électrogras, c'est électrograsse, voilà. C'est génial. Alors, les attaques, bien déjà, Leaf Storm, évidemment. Ensuite, Volt Switch. Parce que, évidemment, on va faire Volt Switch. Alors, on n'est pas con non plus. Pas con au point de mettre que l'attaque tempête verte et puis de mettre tonnerre parce que voilà c'est mieux de mettre Volt Switch en fait parce que ça permet de s'enfuir du terrain et ça c'est cool. Ensuite les autres attaques ben c'est un peu feu follet voilà et balance là ben, c'est un set classique de défensif et il me dit spécialité défensive ben c'est à peu près ça sauf que moi je joue avec 8 ici. Voilà, j'ai même pas besoin de mettre 2-0. Et ici, c'est 248. Non. 248 pour prendre moins sur les pièges de roc. Ensuite, ben, un Pokémon que j'ai aussi pris dans tous mes matchs pour le moment, mais qui pour l'instant a servi à absolument rien. Et ben, c'est Gliscor, hein, Jambon, il s'appelle. Alors, avec l'orbe toxique. Voilà. Avec Poison Heal. Alors, on n'a pas de défogueur. Hein. Donc voilà, mais on peut foutre la pression parce qu'on a Absol qui gêne pour la placer les rocs, tout simplement. Du coup là on a Jambon qui va avoir Abri, parce que Abri c'est très bien qu'on a soin poison. Ensuite, j'avais besoin de quelque chose qui place les pièges de roc pour pouvoir virer éventuellement Farfuret. Et ensuite, les autres moves. Eh bien, là, c'était plutôt Earthquake, le stab obligé, évidemment. Et ensuite, Acrobatique. Voyez, Acrobatique. Pourquoi? Parce que, en gros, il risque de lead avec Demeteros s'il le prend. Si c'est un Demeteros défensif, il place les rocs. Mais avant, il va essayer de me saboter. Ça, c'est clair. On doit saboter un Scorbunny. Normalement, s'il est défensif, il doit avoir sabotage hein, parce que ça aide beaucoup. Et s'il est offensif, à mon avis, il va avoir sabotage aussi. Donc, de toute façon, je fais abri pour pas prendre le sabotage. Bardrair, bah, il peut me saboter toujours. Hein. Bon, ça, c'est pas interdit non plus. Mais voilà, je veux dire, une fois que j'ai plus mon objet, acrobatique, c'est du garanti de tout HKO sur son putain de blindé épique de merde. Voilà, tout simplement. Voilà, ces investissements, ben, c'est relativement pas compliqué. Voilà, donc 248 comme d'hab pour prendre moins sur les rocs et soigner plus avec soin poison. Ensuite, 4 en attaque parce que ça monte les dégâts de acrobatics sur le blind épique, en fait. Et ça, c'est cool, c'est toujours ça de prix. La défense. Alors 216 parce que de toute façon, eh bien j'ai nature malin aussi, hein. Parce que j'ai pas vraiment besoin d'en mettre plus pour tanker Demeteros, qui est vraiment le seul truc physique qui me met vraiment dans la merde dans sa team, avec Farfuret bien sûr que je gère avec Fukano. Enfin bon, il y a aussi Goupelin qui est très chiant pour ma team. Enfin bon, voilà, on va rien dire. Et ensuite, ben il reste 40 que je mets ici. Alors, je pourrais mettre 36, mais je mets 40 parce que voilà. Tout simplement, en fait, ça permet de ne pas me faire OHKO. Quand je suis full vie, bien sûr, ça permet de ne pas me faire OHKO, sauf s'il y a un crit par le Latias. Je crois Latias modeste, full attaque spéciale. Normalement, il va pas MOHKO avec Draco Météor. Et donc, le dernier Pokémon. Alors là, je ne suis pas sûr. Mais je veux dire, vraiment pas sûr de le mettre avec cette répartition-là. C'est Haunter que j'ai déjà joué. Non, pas Happiny, non. On est dans la LSP. Alors, c'est Haunter. Donc, Spectrum que je kiffe depuis le dernier match. Parce que je me rends compte qu'en fait, il fait très mal.
Alors les investissements, je crois que je les ai mis pour dépasser. Ouais, je ne sais plus. Je crois que je les ai mis pour dépasser un Demeteros Scarf rigide, bien sûr. Parce que voilà, il pourrait le jouer de joli aussi, mais s'il c'est sûrement rigide qui va le jouer. Parce que voilà. Donc, Choice Scarf. Avec lévitation, évidemment. C'est toujours le même, Creeper. Donc là, on a des Pokémon qui commencent à revenir. Et non, je veux pas faire ça en fait. Je veux pas l'import-export, moi. Non, back, voilà. Donc, les attaques, tout simplement. Alors, là. Là, alors, pourquoi est-ce que j'ai mis Blind Epic dans les Pokémon qui me faisaient chier? Parce que Spectrum fait mal à beaucoup de monde. Parce que, voilà, sa team, en fait, elle est très faible au combo. Poison, plus combat, plus spectre ou slash ténèbres. Enfin, bon. Alors, je me suis dit, ok, ça c'est génial, parce que j'ai un seul qui peut avoir un combo combat et ténèbres, très bon contre sa team. Et ensuite, je me suis dit, et je crois que Spectrum apprend à Exploforce. Et en plus de ça, Ballombre plus une attaque poison plus Exploforce, personne de wall dans cette team. Donc, voilà. Et au final, je me suis rendu compte que non, c'est que Ectoplasma qui apprend Exploforce. Et Spectrum n'apprend pas, donc je me suis dit, ok. Est-ce que ça marche avec la puissance cachée combat? Non, ça ne marche pas avec la puissance cachée combat. De toute façon, le blind épique me fait chier parce qu'il annule mes ballons. Et bah par contre j'ai mes attaques poison qui le gère, hein, évidemment. Et voilà, donc il annule aussi Bomberk, hein, je le rappelle. Il annule Bomberk. Donc j'ai pas mis Bomberk, hein, j'ai mis Cradovag. Il sera mon stab principal. C'est légèrement plus puissant que Bomberk, mais ça m'empoisonne moins souvent. Ensuite, ben je prends quand même Ballombre. Alors j'hésitais à prendre une autre attaque, mais bon, vous voyez, quand vous avez. Il n'apprend pas grand chose. Il apprend étonnement. Point ombre, griffe ombre, voilà quoi. C'est vraiment mauvais ce qu'il apprend comme attaque spectre. Et attaque plante, ça sera vraiment. J'ai quand même Pan qui gère bien défensivement, enfin offensivement, le débile de Rhinophéros. Mais avec Energy Ball, normalement c'est du garanti de tout HKO et je lui mets dans les 80%, il me semble. À peu près. Enfin bon. Et ensuite, prélèvement du destin. Donc, ça c'est Écosphère. Hein. Prélèvement du destin parce que voilà, c'est trop bien avec le Scarf. Il veut me mettre spécial Scarf avec plus de vitesse, mais non, en fait, moi c'est 224. Voilà, pour dépasser avec le Scarf Demeteros rigide. Ensuite, c'est 252, la nature modeste. Voilà, il fera des dégâts de porc comme ça. Et ça, c'est cool. Mais genre vraiment cool. Et ensuite, vu qu'il reste 32, bah on met les 32 qui restent dans les PV, tout simplement. Alors, voilà. On a notre team. Ce qu'elle va réussir à faire, j'en sais rien. Je suis plutôt bien préparé pour gérer mon adversaire. Du coup, on a Death Angel avec Kuba, Sabotage, Laser Glace et Lance-Flamme qui a des investissements pour gérer des météoros offensifs niveau, enfin pour faire mal. Ah oui, et Fire Blast aussi, normalement ça tout HKO, Blind Epic, donc voilà, ça c'est cool. Et Registeel, ça lui fait pas tant que ça, mais bon, voilà. Ça fait très mal aussi à Cobaltium que je tout HKO lui aussi. Ensuite on a Fukano, un peu bulky, mais bulky offensif. C'est pour pouvoir gérer notamment des trucs du genre Farfuret, mais il peut aussi intimider, donc c'est cool. Et il tient pas très bien un Goupelin, mais il permettra quand même de plutôt bien venir dessus sur les anticipations. À moitié en fait. On a Pan qui est là vraiment pour wall Staros, bien bloqué Staros et plutôt bien wall Latias s'il n'a pas Écosphère, et je pense qu'il prendra plutôt Laser Glace qu'Écosphère, tout simplement. Ensuite, ben Électrograsse,
Avec Will O'Wisp qui peut brûler, donc réduire la puissance des attaques physiques et en plus réduire le staying power adverse, ce qui est cool. Il a des bons investissements en défense spéciale, ce qui fait qu'il tiendra plutôt bien un Latias offensif. Latias défensif, il le tiendra très bien, mais est-ce qu'il peut gagner du stall contre lui? Je ne pense pas. Donc voilà. Au moins, il peut brûler et réduire le staying power. Et faire balance. Et faire très mal aussi à son débile de Raiden, enfin voilà, de Rhinophéros. Et j'ai jambon défensif physique, mais avec un investissement en défense spéciale pour bien tenir Latias. Une grosse défense qui tient sans problème des météoroses par exemple. Et voilà, un peu d'investissement en attaque et acrobatie pour notamment gérer le blind epic. Séisme parce que voilà, ça fait très mal à plusieurs Pokémon. Piège de roc parce que voilà, les pièges de roc j'en ai vraiment besoin pour pouvoir passer et déjà pour pouvoir bien affaiblir sa team, parce que moi je veux vraiment essayer de faire switcher assez souvent pour lui épuiser les Pokémon qui n'ont pas de soins comme des Meteoros ou encore Farfuret. Ceux-là ils viendront pas souvent sur le terrain parce que voilà, enfin des Meteoros quand même il prend que 12%, mais Farfuret lui il peut venir 4 fois, la 5ème fois il meurt. Et encore, s'il est hors vie, ça va aller plus vite. Et si je l'attaque, ça va aller encore plus vite. Enfin bon, voilà. On va rien dire de plus. Voilà, tout simplement. Et ensuite, Creeper, parce que voilà, toujours le même. Très violent, parce que cette fois, je joue modeste. Je joue avec Cradovac pour faire très très mal à Blind Epic, par exemple. Alors, un Pokémon qui va être gênant quand même dans cette pour cette équipe, c'est Florge. Alors, Florge encore... Jambon n'a pas peur de lui, mais Jambon fait des dégâts à Florge. Mais Florge, lui, ben, il peut soigner. Il peut se soigner, il peut soigner l'équipe. Alors, là, c'est la merde, par contre. Parce que soigner l'équipe, s'il soigne des météoros, s'il soigne le Farfuret, c'est la merde pour moi, quand même. Du coup, Florge, ben, difficile à gérer. Mais normalement, si je suis bloqué sur Sludge Wave, il va pas rester. Je pense pas qu'il reste. Et je pense d'ailleurs qu'il ira... Alors, faut faire gaffe aux poursuites quand même de Farfuret. D'ailleurs, Farfuret, voilà, si je fais Shadow Ball, ben, et qu'il vient dessus, ben, voilà, GG. Si je fais Energy Ball ou Sludge Wave, normalement, je peux le tuer, donc, voilà. Et si je fais Destiny Bond, ben, c'est encore mieux, en fait. Du coup, voilà. Ensuite... simplement bah c'est tout. Et je vais vous présenter ma team. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis donc à la prochaine. Donc merci d'avoir regardé et puis à la prochaine, manger de la soupe à la citrouille. J'espère que le match va bien se passer, sauf s'il a bien sûr Gooplin, mais bon, on verra bien hein. On verra bien. Allez, salut. Et qu'est-ce que tu fous? Et je sais même pas où en mettre. Bon, allez, salut hein. Au revoir.